Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière joueur avec mon joueur donc à Chelsea. On s'était quitté donc pour un match avec le Portugal et une victoire face à West Ham, donc deux victoires. J'ai joué mon premier match de Ligue des Champions avec Chelsea, on a gagné 4-0, d'ailleurs j'ai marqué un triplé, voilà mon premier triplé que ce soit dans ma carrière, enfin depuis que j'ai commencé ma carrière, donc premier triplé. Donc ça fait vraiment plaisir, je pense que je vous mettrai un ou deux buts de ma part au montage, on verra. Et on a eu un match face à Everton auquel on a gagné 1-0, mais j'ai pas joué le match puisqu'il y a eu 2 jours de repos. Donc voilà, donc là on a un match de coupe, donc c'est pas la FA Cup, c'est l'autre coupe. Ensuite on aura 3 jours de repos, puis le match face à Crystal Palace auquel on peut retrouver le Crémy, Steve Mandanda. Donc voilà un petit peu la petite composition, vite fait, Costa, Eden Hazard à gauche. Ça reste du simple, on a toujours Varane en défense, Apsilicueta à gauche, voilà. Pas forcément de gros changements, à part peut-être le gardien, je ne sais pas. Allez, on est parti. Donc voilà, petit lancement assez rapide, hein. Je ne vous ai pas laissé les compositions, de toute façon vous l'avez vu de celle de Chelsea. L'équipe adverse, elle n'est pas forcément trop inquiétante. Et déjà l'ouverture du score, 1-0. Et bah ça commence bien, ça commence bien. Très belle reprise. Bim, le petit centre, le petit plat du pied, je ne sais pas, même pas la reprise, clairement. Ouais, la reprise. Et boum, 1-0. Je peux vous dire que les joueurs, ils sont chauds. Mais ils sont chauds. Je peux vous dire, en Ligue des Champions, je me suis fait un plaisir de marquer mon premier triplé. Pour l'instant, on part sur les chapeaux de roue. Ça serait vraiment la troisième victoire de suite. Donc pour l'instant, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal dans ce match. Donc en ce moment aussi, également, je travaille les frappes de loin, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Et clairement, ça se voit de plus en plus parce qu'en fait, quand vous faites les frappes de loin, vous travaillez aussi la puissance de votre frappe. Et ma puissance, elle commence vraiment à être vraiment puissante, quoi. Donc, pas au point d'être comme Zlatan, mais ça commence vraiment à faire des grosses frappes lourdes. Et c'est vraiment super intéressant pour les frappes de loin. Voilà, encore une fois, on récupère. Bon, bah, oubliez ce que je veux dire. Paf, sur le côté. Il faut pas oublier que c'est une petite équipe aussi en face. Oh là 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 là, c'est chaud. On donne en profondeur là. Attention à cette bonne passe en profondeur. Oh bien joué là. Ouh là 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 là, mais à chaque fois j'arrive pas à me retourner. Ouais, joli. Oh là 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 là. Oh mon dieu. Chelsea qui se rapproche du but. Allez, on continue. Bim. Oh là là, mais c'est encore trop juste. Faut que je frappe, vraiment faut que je frappe. Il y a des moments j'hésite vraiment. J'attends vraiment la bonne ouverture pour donner la passe, mais je devrais frapper avant en fait. Et encore j'y vais un peu tout seul. Ben, ça passe pas et c'est chaud. À chaque fois j'arrive dans la surface, on perd le ballon dans la surface. Si on reste sur ce résultat de 1-0, franchement, c'est un peu. Allez, la frappe de loin, mais je suis du pied gauche. Oh magnifique, le gardien bien joué. Allez. Ah t'es magnifique cette frappe. Hein. Bah, t'es bien cadré en plus. Oh ça tapait la barre en plus. Hein. C'est bien, on leur met la pression, hein, franchement. Allez, est-ce que je vais marquer ce putain de but bordel? Oh là j'avais la place. J'avais la place. Il fallait que j'enroule. Putain. On a tiré 6 fois, regardez. 6 fois, ils ont tiré 0 fois. On est clairement pas inquiété quoi. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Voilà, j'ai eu un peu de chance, c'est passé. D'accord. Je fais n'importe quoi. Il faut qu'on fasse gaffe quand même parce que on a les occasions, mais il n'y a que 1-0. On sait comment ça se passe dans le championnat anglais. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre ce deuxième but. Allez, bim, 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 bim. Là. Bien joué. Ouf, je sais pas ce que j'ai fait là. Eden Hazard. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Oh bien joué Eden Hazard qui arrive à bien conserver le ballon là, c'est plutôt bien fait. Moment, allez on y va. Là on y va, bim. Oui. 2-0. Je le savais que ça allait rentrer, bordel. Voilà, c'est bien, je continue sur ma forme en plus. 4 buts en 2 matchs. Pour l'instant on est plutôt pas mal. On sent l'équipe qui a pris la mesure de son adversaire. Cette fois ça passe. C'est déjà considéré comme la plus forte sur le papier. Du pied gauche, mais ça passe. Là on se met un peu plus à l'abri.
C'est un petit peu la fête dans le stade. En plus, on est à domicile, j'avais même pas fait gaffe. Oh, il me la redonne. Oh là 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 là. Allez, est-ce qu'on y va encore un peu tout seul? C'est récupéré la frappe. Il y a moyen de mettre ce troisième but, je pense. Il y a vraiment moyen de mettre ce troisième but, bordel. Je sais pas si c'est moi qui va le marquer, mais franchement, on peut mettre ce troisième but. Hein. Si je fais pas n'importe quoi. Voilà, Eden Hazard, bim. Eden Hazard redonne à moi, voilà. Allez, allez, on va le mettre ce troisième but. Oui. Le doublé. 3-0. Je vous l'ai dit, en ce moment, je suis en forme. Je sors d'un triplé en Ligue des Champions. En ce moment, tout passe, vraiment. Je commence à m'adapter un petit peu au championnat anglais. 3-0, ils prennent la... Bon, est-ce qu'on pourrait, on mettrait pas encore un triplé dans... Franchement, ça serait énorme. On n'a pas le temps, voilà. Victoire 3-0 dans ce match de coupe. Et du coup, là, on part en match de championnat en première ligue également. Match important face à Crystal Palace. Ça risque pas d'être forcément facile non plus. Parce qu'on va affronter Steve Mandanda dans les cages. Mais franchement, je suis pas mal. Hein. Je suis pas mal. Je sors d'un triplé, petit doublé. Pour l'instant, je suis en forme. J'ai hâte d'être au prochain match pour voir si je suis encore en forme. Allez, du coup, on se retrouve dans les menus. Bah, je joue pas le match. Voilà, tout simplement, je joue pas le match face à Crystal Palace, je suis vraiment dégoûté. Du coup, je sais pas si en fait ils préfèrent me préserver pour jouer le match de Ligue des Champions face à Moscou, mais bon, pourquoi pas. Écoutez, on va faire simuler, puis on verra bien le résultat, mais je suis un peu dégoûté quand même. J'aurais bien voulu jouer face à Steve Mandanda, en plus j'étais vraiment sur une bonne lancée. Alors, simulation, tac tac, on perd 1-0 en plus. En plus, on perd 1-0, il y a Tolisso en plus à Crystal Palace. Il y a Tolisso, et ils ont vraiment ils ont une bonne équipe, moi, quand même, hein, Crystal Palace. Hein. Ils ont marqué sur penalty en plus, c'est Cabaye. Voilà, en plus, je joue pas, et en plus, on perd. Bon, c'est pas très grave. Du coup, match de Ligue des Champions face à Moscou. Alors, est-ce qu'on sera à domicile ou à l'extérieur? On sera à l'extérieur. Ok, et ben allons-y, c'est parti. Alors, est-ce qu'au niveau du classement, on est premier, voilà. Bah oui, on a joué qu'un match. Ok, et ils ont gagné quand même 2-1 face à Dortmund, hein. Donc attention. Allez, deuxième match de poule. Joueur à suivre, Eden Hazard. Donc, niveau composition, ça reste la même que en coupe. Il me semble que c'est vraiment exactement la même. Donc, on va essayer de faire la même chose qu'on a fait en coupe. Je vais juste voir la petite compo de Moscou, même si je connais pas les joueurs. Nacho, par contre, Nacho, aussi, ça me dit quelque chose. Nacho. Ok, il a numéro 66. Il porte des numéros, c'est un peu chelou, hein, quand même. Hein. Et donc, notre compo à nous. Donc, il n'y a pas de Batshuayi. J'aimerais bien jouer avec Batshuayi en pointe de l'attaque, mais bon. Costa, c'est la base. Donc voilà, ouais, pas forcément de changement. En espérant faire un bon match, on a un petit arbitre italien. Donc, apparemment, les arbitres italiens sont assez sévères. Il va falloir faire attention. Et on est parti. Allons essayer de marquer des buts une nouvelle fois, puisque en ce moment je suis en forme, donc faut en profiter. Premier offensif, Eden Hazard. Oh là 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 là, oh, non, je suis hors jeu, c'est trop tard. C'est dommage. Encore une fois, on est pas mal. On est pas mal dans ce match. Le petit centre, je tente rarement des centres. Un tir raté et pas qu'un peu. J'avais dit ça aussi, je tenterais plus de centres. Et là, Costa nous a fait un de ces trucs encore. D'ailleurs, il y a une mise à jour sur FIFA. Oh, monsieur l'arbitre. Il y a une mise à jour sur FIFA auquel vous, maintenant, vous pouvez faire le mode d'aventure avec la langue française. Enfin, vous avez les voix françaises. Donc, si vous n'avez pas forcément fini le mode d'aventure comme moi, bah, vous allez pouvoir profiter du mode d'aventure avec les voix françaises. Donc, ce qui est plutôt cool. Et si vous voulez profiter des voix françaises, bah, vous pouvez refaire le mode d'aventure. Le côté gauche, c'est mon côté préféré. Putain, mais merde. J'allais dire le côté gauche, c'est mon côté préféré. Parce qu'après, paf, je fais le petit crochet, je rentre sur mon pied droit. Alors ça, bien, ça aurait été un poste que j'aurais bien voulu prendre également. Me mettre côté gauche, en fait. Mais en étant droitier. Et rentrer dans l'axe avec mon pied droit. Ça, c'est un truc que je kiffe faire. Vraiment. Un bon ballon d'attaque. Que ce soit sur FIFA ou en vrai, je kiffe faire. Paf, le petit crochet, tu rentres sur ton pied droit. Et normalement, ça fait but. Je l'ai écrasé, j'ai pas enroulé, j'ai rien fait. Ah ouais, là j'ai mis le point dessus.
J'ai mis le pointu. Ça passe clairement à côté. Bah, allez, voilà, bim. Allez, frappe. Paf. Voilà. Et on pousse. Il y a eu des Nazars dans l'axe. Eden Hazard qui avait repiqué dans l'axe, c'était bien fait ça. Franchement, les appels sont super bien faits sur ce nouveau FIFA. Et malheureusement, il aurait pu peut-être attendre avant de tirer. Et je crois qu'ils n'ont pas eu un seul tir non plus. Hein. Et franchement, en ce moment, on est solide. Hein. Je sais pas ce qui se passe, hein, vraiment. Pour l'instant, ils n'ont pas. Voilà, je me suis fait. Il y a faute là ? Ok, bah pourquoi pas, écoutez. Pour moi, il n'y avait pas faute. Il m'a juste donné un petit coup d'épaule, mais bon, c'est sifflé par l'arbitre. Donc tant mieux. Hein. Allez. Ouh là 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 là. Je pensais qu'il allait mettre contre son camp. Le corner. Moi, je vais rester en dehors de la surface, histoire de, si au cas où ça revient, de remettre une petite reprise. Malheureusement, c'est pas le cas. Bon, mi-temps, 0-0. Il est en train de me faire la misère, lui. Hein. Attention, les gars. Attention, ne pas se prendre de but. Ouh là 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 là. On jouait Courtois. Non, c'est même pas Courtois dans les cages. Comment ça se fait que c'est pas Courtois également dans les cages, là? Ah, ça, je kiffe faire. Les petites feintes de... pour faire les touches. Ça, c'est vraiment stylé. Allez, à deux. Il y a du soutien derrière lui. Allez, non, non, non. On joue pas à deux, Hervé. Moi, je la tente. De loin. Ouais, ça passe loin. Avec le pied gauche, mais ouais, bien sûr, avec le pied gauche, il y a un pied gauche pourri. Comment veux-tu cadrer, toi, avec un pied gauche comme ça, là? Ça me sentit clairement à perpète, quoi. Attention, parce que les Russes, là, ils commencent à accélérer un petit peu sur les contres. Il va falloir vraiment qu'on fasse attention. Bien joué, ça. Par contre, tu me le donnes dans un petit périmètre, là, mon petit gars. J'arrive aussi à m'en sortir, bim. Oh oui. Oh là 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 là. Il y a moyen de marquer là. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Faut qu'on marque, hein, bordel. Oui, ça circule bien. Oui, la petite remise. Bim. Oui. 1-0. Et petite passe décisive qui fait plaisir. Voilà. But du numéro 9 qui a remplacé d'ailleurs Costa. Je sais pas qui c'est ouais, je connais pas du tout. Et voilà, 1-0. Normalement, la machine est en route là. Là, faut mettre un deuxième but. Clairement, oh, regardez, encore 6 tirs. 6 tirs, 0 tir pour l'adversaire. En ce moment, je sais pas. On a une défense solide. Voilà, tout simplement. Moi, je vais vraiment essayer de marquer mon but parce que en ce moment, je me sens en forme et j'ai envie de marquer vraiment. Oh là là. Oscar. Oh non, Oscar. Non, Oscar, tu peux pas louper ça. Oh, c'était magnifique. Oh non. Allez. Oui. Est-ce qu'on y va tout seul? Là, ça va être compliqué quand même d'y aller tout seul. Faute, monsieur l'arbitre. Faut mettre un petit carton quand même. Eh, il a bien la tête d'un russe, hein, lui. Hein. Carton jaune et surtout un coup franc dangereux à suivre. Vraiment. Les russes, ils ont des têtes, je sais pas. C'est bizarre. C'est qui tire? Eden Hazard. Oh oui, c'est pour moi. La tête. Non. Il s'en est fallu peu et qu'il reprenne. J'ai fait quoi là? Ouais, belle détente quand même. Mais non. C'est complètement la trajectoire du ballon. On voit que le ballon monte. En plus, je kiffe mettre des buts de la tête. Ah ouais, mais en tête, je sais pas, je dois avoir je sais pas combien. C'est pas cadré derrière. Allez, le contre. Le contre. Oui, ça passe. Allez, Oscar. Là, Oscar. Oh, magnifique. Eden Hazard, ce qu'il nous a mis encore. Oh là 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 là. Mais en fait, c'est l'équipe qui est en forme. Ah, vous avez vu, il a le tatouage au niveau du poignet. Je sais pas si vous avez fait attention. N'hésitez pas à revenir en arrière dans la vidéo. Ils lui ont fait ces petits tatouages. Un petit détail, mais il faut avoir l'œil. Hein. Oh, et c'est magnifique. Quel but. Quel but d'Eden Hazard. Franchement, l'équipe est en forme en ce moment. Voilà, 2-0. On est tellement solide en défense. Mais vraiment, on est tellement solide. C'est ouf. Hein. Donne Eden Hazard. Je sais pas. Ouais, c'était Eden Hazard. La passe en profondeur. Ah, je fais n'importe quoi par contre derrière. Ça revient. On est dans le temps additionnel. Voilà, on obtient la touche. Ok.
Je voulais y aller tout seul, hein, vraiment, je voulais frapper. En ce moment, j'ai envie de marquer. Bon, bah voilà, normalement, l'arbitre devrait siffler, oui. Et voilà, victoire 2-0. En ce moment, on est en forme. Comme je vous l'ai dit, match de Ligue des Champions. Ok, je marque un triplé. Le match face à Everton, moi, je ne l'ai pas joué. Ensuite, on a fait plutôt un bon match. Et là, magnifique. En plus, on a un magnifique but d'Eden Hazard. Tout va bien. Franchement, l'équipe est en forme. Voilà, en plus, on a eu la note de 9,0. Ce qui est plutôt pas mal. Par contre, les tirs, c'est pas trop ça. 3 tirs non cadrés. Va falloir quand même que je cadre un peu plus parce que c'est pas terrible. Hein. Donc, alors, les résultats finaux. Donc, Lyon qui met 3-0. Impeccable. Atlético Madrid qui met 2-0 à Nice. L'Inter 3-0 face au Zénith. L'FC Porto qui gagne 2-1. Ok, d'accord. Bon, pour l'instant, les favoris sont présents pour la Ligue des Champions, donc c'est plutôt cool. Waouh, j'ai pas été appelé en sélection. D'accord. Ok, bah j'ai pas été sélectionné. On peut voir qu'il y a N'Golo Kanté qui a été sélectionné, mais moi j'ai pas été sélectionné. Bon, bah tant pis, hein, on va essayer de faire un peu mieux. Donc du coup, il y aura pas de match avec l'équipe de France puisque j'ai pas été sélectionné. Donc ce qui est plutôt cool, parce que là, on va pouvoir jouer le Tottenham. Je pense que Tottenham et Dortmund, ce sera nos prochains matchs. Enfin, Dortmund, je sais pas si on va le jouer. Et ensuite, on a Arsenal. Donc voilà, on verra. Dans tous les cas, deux gros matchs qui arrivent. Donc c'est plutôt cool. Et niveau classement, on est combien? On est deuxième. Voilà, avec 13 points. Manchester United avec 14 points. Donc pour l'instant, Manchester, 0 défaite, 2 nuls. Ils sont en pleine forme. Donc voilà en tout cas pour cet épisode, n'hésite pas à mettre un petit j'aime à la vidéo, n'hésite pas non plus à activer les notifications, j'insiste là-dessus en ce moment sur les vidéos parce qu'en ce moment YouTube merde, donc si vous voulez recevoir une notification dès que je sors une vidéo, parce qu'en ce moment les vidéos se mettent pas dans vos abonnements, donc c'est pour ça n'hésitez pas à cliquer sur la petite clochette, que ce soit sur un smartphone ou sur PC, pour recevoir une notification dès que je sors une vidéo, donc voilà, en tout cas merci d'être toujours de plus en plus présent pour mes vidéos, ça fait vraiment super plaisir, merci pour tous les commentaires que vous mettez, etc, franchement ça fait vraiment plaisir, moi en attendant je vous dis à très très vite, ciao ciao tout le monde.